Hello mes petites beautés, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue sur ma vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo cheveux. C'est une vidéo au cours de laquelle vous allez être attentive, très intéressée. Vous allez adorer parce que c'est une wig que vous allez pouvoir remporter à l'occasion du concours des 20K. That's why vous allez kiffer. C'est une wig qui vient de chez You Pretty Hair. Bien évidemment, je vais vous envoyer la wig et tout ce que la boîte contient. On va voir ça ensemble. On a notre wig. C'est une Water Wave en closure 6x6 HD 20 pouces. Ça ressemble un petit peu à la dernière wig que j'avais, sauf que celle-là, elle est plus qualitative et elle est plus longue. Avec ça, ils ont envoyé tellement de trucs avec, vous allez être gâtés. Une paire de fossiles, un peigne, deux wig caps, deux pinces crocro, un bonnet en satin, un bandeau si vous ne voulez pas vous coiffer. Super utile si vous voulez pas poser votre pépé, par exemple pour aller en cours, vous posez la pépé, vous mettez le bandeau, vous êtes prête. Et une brosse à baby hair. Franchement, vous êtes gâtés, c'est des trucs que j'aurais aimé garder pour moi, mais c'est cadeau pour vous. Sans plus tarder, je te montre comment tu vas installer ta nouvelle pépé. Là, la tulle, c'est une tulle HD, c'est celle qui se fonde plutôt bien dans la peau. Je vais juste la colorer avec un petit peu de fond de teint, plus foncé que ma carnation, comme d'habitude. Là, je la colore comme ça pour pouvoir l'installer. Mais pour la personne qui recevra la pépé, il faudra juste laver la tulle et mettre un fond de teint à sa carnation. Hop, ça c'est fait. Ça se fond parfaitement dans ma peau. On va couper la tulle. Là, la wig, elle se voit même pas. Elle se fond super bien dans la peau. Là, c'est une 6x6. D'habitude, les tulles, elles vont de là à là quand je prends du 5x5. Là, c'est un petit peu plus large vu que c'est du 6x6. Je vais faire une coiffure curly hair red milieu et je vais la poser sans col. Je trouve que j'ai l'impression que les pépés, quand tu les poses sans col, ça fait plus naturel genre. Parce que plus tu vas mettre de la colle sur la tulle, plus ça va l'alourdir. Et après, on verra grave la tulle alors que sans col, c'est hyper fin. On fait la red milieu. Je branche mon peigne chauffant pour bien aplatir l'arrêt des deux côtés. Bien sûr, comme vous êtes fidèles, vous avez regardé ma dernière vidéo où je vous montre comment faire en sorte que ça ressemble à un tissage. Vous sortez vos cheveux, vous les lissez et après vous pourrez mettre vos cheveux sur le côté comme ça. Là j'ai l'impression que les cheveux ils sont quand même un petit peu pré-étirés et qu'ici ils ont sorti ça pour les baby hair. Pratique. Je vais aplatir l'arrêt. Je vais mettre un petit peu de fond de teint sur l'arrêt. Comme ça j'aurai pas besoin de l'épiler. Là, maintenant, il ne manque plus qu'à styliser la coupe. C'est archi rapide. Je vais mettre de la mousse ici et surélever les cheveux. Je trouve que ça fait grave... Je sais pas, ça fait joli, ça fait ricain un petit peu quand on surélève un petit peu les cheveux devant. Et ensuite, je mouillerai pour bien refaire les boucles. Et on sera coiffé. Donc là, je mets de la mousse. Je vais surélever les cheveux ici, comme ça. Je vais mettre ça pour bien plaquer le tout. J'aime trop les boucles des mèches. Là, on va humidifier pour les redéfinir un petit peu. Les boucles, elles sont trop, trop belles. Je vais enlever l'élastique pour avoir un aperçu de la coiffure que je veux. Je vais les brosser pour qu'il y ait plus de volume parce que ça me stresse vraiment quand c'est tout plat. Je recule encore un petit peu les cheveux avec la mousse parce que là, ça s'est défait. Regardez les boucles, j'aime vraiment trop cette qualité de cheveux. Ça, c'est l'option numéro 1 de coiffure en mode curly hair, vraiment avec du volume simple avec la raie de milieu. Là, je vais faire une raie de côté. D'habitude, j'aime pas les raies de côté, mais la dernière fois que j'ai fait ça avec les cheveux bouclés, j'ai kiffé. Donc, je vous montre en rapide comment faire la raie de côté avec cette coiffure.
On est passé d'une raie de milieu à une raie de côté real quick. Franchement, cette perruque, elle est grave facile. Les perruques bouclées, si vous faites ma technique ici, ça fait archi naturel. J'aime trop. Celle-là, elle est plus longue et plus bouclée que celle de la vidéo précédente. Et je me sacrifie pour vous la donner. Vous connaissez la chanson, je vais me faire fraîche et on se montre le résultat final. Me voilà de retour les gars avec votre pépé. On n'oublie pas qu'elle ne m'appartient pas, aussi canon soit-elle. Alors, pour me faire savoir que cette pépé t'intéresse et que t'aimerais la remporter, tu m'écris un commentaire avec un cœur de la couleur que tu veux, autant de cœurs que tu veux, et je choisirai une personne pour lui faire gagner cette pépé. Cette pépé, elle fait partie du concours que j'organise pour les 20K. Une carte cadeau Shein, un outfit Shein et un sac rempli de maquillage. Donc j'attends tous vos commentaires. Dites-moi aussi ce que vous aimeriez voir pour les prochaines vidéos. Ajoute-moi sur Snapchat, Instagram si c'est pas encore fait. Tu t'abonnes à ma chaîne et en attendant la prochaine vidéo, on se fait plein de bisous d'amour.